It's just the thrill of accomplishing something that you never thought you'd be able to do. I was so proud to be a Canadian that there was nothing else. You know, playing for the Montreal Canadiens is something that every youngster in Montreal, I think in Canada, wanted to do. And so I was one of the lucky ones to make it. Our team never bragged about how good they were. They showed it on the ice. That's what the Canadiens are made of, teamwork. You dream of it, you want it, you can taste it. When you make it, that is the biggest thrill you can ever have. Why not me? That's the question Mark Barberio asked himself when he was 10 years old. And now, he wears number 45 in the Montreal Canadiens. À Noël, j'étais encore avec les Ice Caps de St. John's. Je pense que c'était le 27 ou le 28 que je t'ai rappelé. Puis c'était un cadeau de Noël, peut-être un couple de jours après, mais c'était le meilleur cadeau que je peux recevoir. J'ai pas croisé tous mes coéquipiers, mais j'ai eu plein de textes, des messages, ils me souhaitaient la bonne chance. Puis c'est dur parce que pendant que tu es là, tu deviens proche, tu deviens une famille, puis tu es toujours content pour le gars qui se fait rappeler. Puis quand tu montes, tu veux rester. C'est ça le but. Marc est parti à 16 ans de chez nous. C'était vraiment difficile, là. La maison était vide. J'ai parti en 2006 pour le Cap Breton, pour Junior. Je retournais les étés, mais ça fait longtemps. Il est de retour maintenant. J'aime ça beaucoup qu'il est à la maison avec nous autres, qu'il a décidé de rester avec nous autres au lieu de l'hôtel. Je suis pas trop loin de Brossard puis du Centre Bell, alors pour moi, ça faisait du sens de juste rester ici, de rester dans ma propre chambre. Puis, tu sais, mes roommates, mes parents sont cool, ils sont toujours là pour moi, pour me supporter. Puis c'est bon d'avoir le bouffe de ma mère aussi, ça c'est nice. Une jeune homme de 25 ans qui veut retourner à la maison, c'est spécial. C'est rare. Dans le temps, j'avais mon filet de hockey ici, puis je passais beaucoup de temps dans le sol, prenais des shots. Il y avait des trous un peu partout. Il jouait pendant des heures puis des heures en sous-sol. Il faisait le commentaire de sa match. Puis il parlait tout le temps de hockey. J'avais une grosse imagination quand j'étais jeune. Je me jouais sur une ligne avec Croyez-vous puis Recky, alors je jouais tout seul dans le sol. On demande aux enfants qu'est-ce que tu veux être quand tu es plus grand. Je veux être joueur de hockey. Puis tout le monde commence à rire. C'est ah oui, OK, c'est cute ça. Mais c'est vraiment spécial qu'il y avait la passion d'être joueur de hockey à 10 ans. C'est ça qu'il voulait faire, puis maintenant c'est ça qu'il fait. Mon joueur favori, c'était Mark Recky dans le temps. J'étais à cause de son nom, était Mark aussi. Quand j'étais plus vieux, je suivais beaucoup André Markov. J'ai toujours aimé la façon qu'il jouait, la façon qu'il bougeait la rondelle. Et c'est cool, maintenant je suis coéquipier avec. Les chandails dans le coin, c'est du All-Star Game de la Ligue américaine. Puis celui-là, c'est quand j'ai gagné la Coupe Calder avec les Admirals de Norfolk. Celui-là, c'est le classique hivernal. Je pense qu'on va l'encadrer parce que c'est quand même très spécial d'avoir joué dans cette game-là. Ça a été vraiment de toute beauté de voir Mark jouer à Boston, devant tant de spectateurs, c'était vraiment super. Même quand je t'ai rappelé, on a perdu la deuxième game contre Floride. Alors, j'étais pas sûr si j'allais rentrer dans le line-up ou non. Puis là, j'ai vu mon nom à côté de Merlin sur le troisième pairing. J'étais comme, wow, je vais jouer dans le classique, c'est quand même spécial. Vraiment un beau moment dans ma carrière que je vais jamais oublier. Quand j'étais jeune, t'allais au Centre Bell, puis avant la game commence, tu t'entends genre, accueillons vos Canadiens, puis. Genre, même quand t'es dans le full, ça t'excite, mais quand t'es un vrai joueur maintenant, puis t'embarques sur la glace, puis tu vois la foule commence à crier, puis d'avoir le chandail du Canadien, c'est un moment inoubliable. Tu vois la passion des partisans, c'est ça qui sépare Montréal des autres équipes, comment ils sont vraiment fiers des Canadiens. D'avoir le CH sur le logo, il y a tellement d'histoires, c'est la tradition du succès, ça fait juste partie du Canadien. Il n'y aura pas d'autre équipe que tu veux jouer pour, à part des Canadiens. C'est le club, dans mes yeux. C'est spécial de voir un rêve de ton fils, puis il est devenu réel. Il a travaillé fort, on est très fiers et très contents. Je me trouve vraiment, vraiment chanceux d'avoir été capable de même jouer une game pour le Canadien. Tu rêves de ça depuis que t'es jeune. Puis maintenant que j'ai attrapé le rêve, je veux pas la laisser partir. If anyone understands the role of the Bleu Blanc Rouge of Montreal and grasps the importance of those colors to the people, it must be Mayor Denis Coderre. A huge hockey fan, Coderre is taking his son to see the Habs take on the Stanley Cup winning Blackhawks at the Bell Centre on a Thursday night. Une équipe comme le Canadien de Montréal, avec son histoire, son identité propre, son rôle social, c'est très, très rassembleur. Quand le Canadien va mal, on est morose en quelque part. Quand le Canadien se met à gagner, là, écoute, c'est l'euphorie. On a ce niveau d'appartenance assez exceptionnel. C'est intergénérationnel. On voit de plus en plus, vous voyez, les enfants et tout ça. La fierté de montrer son chandail et le sigle fait vraiment partie de ce que nous sommes. Alors, pour une ville, là, c'est rassembleur. Ça te permet également d'atteindre les gens. Pour moi, c'est un élément qui est très, très important. Donc, c'est plus qu'une équipe de hockey où il y a un impact économique, mais c'est vraiment un outil de développement assez exceptionnel. Ben, je le vois en plus quand on aime son équipe, ça, c'est fantastique. Bon, let's go. On va gagner ça, ce match-là. Come on, guys. L'autre bord, l'autre bord. Oh! Avez-vous trouvé des solutions, M. le maire? Du cœur, puis le premier but. Ah, bon mieux! C'est quoi, là, avec les revirements qu'on va gagner, là? Bravo! OK. C'est toi qui envoie le tape à Toronto? Tout le monde pense que ça se passe à Toronto. Ça se passe ici? All right. Je sens que ça porte malchance. Je m'enlève tellement à place. J'aurais aimé un autre but que ça, là. Au but, come on! Bon, hockey de rattrapage. C'est un réseau incontournable, les médias sociaux. Non seulement pour partager notre passion du sport, mais c'est un outil de communication exceptionnel où on se rend compte à quel point le Canadien de Montréal est important dans nos vies. Pacioretty relance dans le fond. Le Canuck intercepte. Pacioretty remet dans le coin à Gallagher. Moi, je pense que Pierre-Aude est dans le trouble. Moi, là, c'est ma fierté parce que Alexandre, qui veut être journaliste sportif, je pense que ce genre d'événement-là, ben, je voulais le partager avec lui parce que, dans le fond, c'est ma façon à moi de partager ma passion puis de lui dire, regarde, viens vivre tes expériences puis je sais que tu es capable d'aller au bout de tes rêves. Passe le tir. Oh, quel arrêt de Mike Condon. La rondelle pour Blackhawks. Le tir dans le coin. Ah, elle a vu! Fin de la première. Be engaged, talk. Let your partner know. Support, support. It's going to be a long night, fellas. If we don't communicate out there, we're together. J'en espère que vous allez trouver la façon de relancer un petit peu notre équipe qui part de l'aile. Oui, mais ils vont gagner, regarde. La deuxième va être bonne. Oh, oui. Bon, bien, excellent. Le fait de voir les journalistes sportifs anglophones, francophones, je les connais depuis de nombreuses années, mais ils savent qu'on a un point en commun, c'est notre passion pour le sport. Ça fait partie de la signature de Montréal, de la beauté du milieu dans lequel on vit et qu'on peut grandir et partager ces passions-là. Oui, voici. Oh! J'aimerais juste vous dire que j'ai écrit, il y a 38 secondes, message à la foule du Centre Bell, tous ensemble. Go Habs, go. C'était tranquille, tu trouvais, non? Hey, hey! Émiline est tannée. Non, ça, c'est du cœur. Au but, au but! That's it, boys. That's a good period. We play like that in the third, I think there's a chance to get a good period. Alors, c'est toujours 2-1. Il reste moins de 10 minutes à faire. C'est toujours la même histoire, Denis. Quand tu prends pas la bounce dans le match, le rattrapage, c'est jamais bon. Quand tu sais de l'arrière, tu joues du hockey de rattrapage. Puis lorsque Tu sais, c'est pas... c'est évident qu'on est bien nerveux, là. Voilà. Alors là, à ce moment-là, du hockey de rattrapage contre des bonnes équipes comme Chicago, puis des équipes qui... Tu sais, c'est très difficile, très mais difficile. Ça aussi, ça peut devenir une raison de plus pour en donner plus. Un turning point, ça. Ils ont quand même donné beaucoup d'efforts à soir. Game over. Ce soir, ça a été un excellent match. Évidemment, pour gagner, ça prend un but de plus. Alors, Crawford a, comme on dit dans le jargon, volé le match, c'est clair. Elle a tout fait sauf rentrer la rondelle aujourd'hui. Des fois, c'est une game de même qui peut changer la vague. D'une game où peut-être tu mérites de gagner, tu as beaucoup de chance à scorer, puis ça ne rentre pas, mais peut-être la prochaine game, ça va rentrer. Away from the limelight, the players regroup in Brossard, focusing on one detail at a time. So happy with you. Did you make your own turf for that stick hit? Yeah. Carey Price, meanwhile, has begun his return to the ice. The road back to the Canadiens' net is long and winding, with cruel depths to darken the spirits. But the light is within sight. It was a dream to be an NHL hockey player as a kid. And since the day I was drafted, this organization has treated me very well every single day and made it very enjoyable. To be able to put on that sweater and you look around the room and you see all the past legends that wore it before you, it kind of hits you. Just how big of a responsibility it is and a big privilege, and you kind of want to understand that and just take advantage of it the best you can. Unbelievable city. People are crazy for the game, for the sport, and you know, that's where you want to play, where there's you know, a lot of intensity and a lot of expectations to win. So the fans certainly push you to be better. It takes a special type of person to be a Montreal Canadian, and it feels like over the last couple of years we've seen a lot of people come and go, but the guys we have here now all have the right attitude and all have the right mindset. La première fois que je suis rentré dans ma chambre du Canadien, c'était un match hors concours à ma première année. J'ai encore le même feeling un peu quand je rentre dans la chambre. On s'habitue jamais, il y a toujours un feeling d'accomplissement puis de pression parce que il y a tellement d'histoires dans cette chambre-là puis dans cette organisation-là. Tu sais que tu fais pas juste jouer un match de hockey, tu joues un match de hockey pour le Canadien, puis c'est tout qu'un feeling. Puis chaque fois que j'y retourne, j'ai le même feeling. It was by far a dream come true for me. You know, the whole experience getting traded the day before and playing the next day, everything happened so quick. I grew up a huge Habs fan. It was an absolute dream come true. My generation of goaltenders, everybody looked up to Patrick Roy. You know, obviously playing for the Bleu Blanc et Rouge, he was definitely one of my favorites. Therefore, the Canadiens was also one of my favorite teams. Such a prestigious organization. I mean, as a kid growing up in Canada, you know a lot of the history itself, but it's an honor to be a part of it. A storied franchise. Of all the teams I've been on, I don't think anybody treats you as well as this organization and the fans, the city. Everybody's been fantastic. Obviously, it's the biggest hockey club in the world, even for us Europeans. For me in Switzerland, Montreal Canadiens are pretty big. It's huge to be here. I mean, a regional six teams, you can't get better like that. Just to be chosen, you know, by such a classy organization. You know, they're probably one of the most known in all of sports. Just you know, the famous CH, and just to wear the colors, it was a pretty special experience. Quand j'ai mis le chandail des Canadiens pour la première fois, c'était surreal, c'était comme un rêve. C'est un chandail de tradition de 100 ans. It's a privilege to be in the league, it's a privilege to get drafted, and you treated it as such, but for me to be as lucky as I am to be in an organization like this that's treated me the way I have, given me the opportunity, I'm obviously very thankful, and it means a lot. It's definitely been the best job I've ever had in my life. Canadiens will direct 49 shots at the St. Louis net. They'll win more face-offs, score in the power play, and be 3 times more disciplined than the Blues. But they'll fall in overtime and leave Missouri with a single miserable point. It's called La Sainte Flanelle, the holy cloth, and it stands for more than any other jersey out there. La première fois que j'ai porté l'uniforme du Canadien, c'était dans une période de réchauffement. Puis tu veux toutes les arrêter, là, même celles que tu penses que tu n'as aucune chance. Je pense que c'est la période de réchauffement que j'ai eu le plus chaud dans toute ma carrière. Enfiler le gilet, c'était comme retourner dans l'enfance. C'est la manière dont tu te sens. Là. Je voyais ça à TV dans le temps. Aujourd'hui, je fais partie de ça. C'est excitant là, de revenir ici puis de faire partie du Canadien de Montréal. C'était de quoi d'unique, c'était de quoi de très spécial. Coming to Montreal, I think you learn pretty fast that Habs is something big. You look at the banners and you look at the pictures, and I learned the tradition of Montreal very fast when I got there, and just to meet the old players like Yvon Cournoyer, I met a lot when I came here. You get the tradition and respect for the players and the team. Être Canadien de Montréal, d'abord, pour moi, c'est la seule équipe que j'ai connue. J'ai arrivé au Forum, j'avais 16 ans, avec Canadien junior. J'ai fait Canadien à 20 ans. Alors pour moi, ça a été le seul chandail que j'ai porté. Puis même, je continue à le porter quand je fais mes promotions. Je suis très fier de porter le chandail du Canadien, c'est un honneur. Playing for Montreal Canadiens is always a dream. A lot of kids, you know, all the memories I have, great fans, just the whole organization, you know, it's top level, and especially, you know, when we had the run in the playoffs, it was really something special for myself and obviously for that city. The 5 years I spent here, I love every moment. Even I have some ups and downs. In the end, it's our job to be as best as possible. Quel lancer de la part de Koval. Wow! D'être un Canadien de Montréal, ça prend de la passion. Et dès qu'on y arrive, comme joueur ou même comme quelqu'un qui travaille dans l'organisation, c'est une source de fierté. C'est une responsabilité envers le public. J'étais impressionné parce que c'est une chambre qui est complètement différente des autres. Il y avait une plaque avec chaque année, avec les noms des joueurs, en plus des photos des joueurs qui sont au temple de renommée. Ma première fois dans la chambre, écoute bien, Jean Béliveau, c'est mon idole. Je vois sa rue, on va le numéro 4, on voit un Hockey Street avec les bottines puis tout ça. Là, j'arrive dans la chambre, je m'habille. Il était à l'autre bord, en face de moi. J'étais là, j'avais de la misère à attacher mes patins, il faut que je les attache. La game va commencer, je n'arrêtais pas de le garder. Tu sais, je suis là, là. Je me souviens de manquer des classes pour aller voir les parades de la Coupe Stanley. Je me suis jamais senti talentueux assez pour jouer pour l'organisation comme joueur. Mais aujourd'hui, je suis fier d'être DG de l'équipe de mon enfance. Il n'y a pas plus gros que ça. C'est le Canadien. Je vais mourir avec l'écusson du Canadien. C'est la machine professionnelle du hockey le plus puissant qu'il y a à travers l'Amérique du Nord. Être associé à l'organisation du Canadien, ça commence par les Richard, puis les Béliveau, puis des Lafleur, puis etc., etc. Alors, il y a beaucoup d'histoires qui est rattachée aux Canadiens, par ses succès, évidemment. Puis ça a une grande signification. Il y a beaucoup de fierté à porter l'uniforme du Canadien de Montréal. Puis en même temps, il y a cette fierté de vouloir répéter les succès qui ont été faits dans le passé. C'est une organisation qui, au fil des ans, a toujours continué d'évoluer. C'est des personnes qui n'ont jamais oublié le passé. Il y a quelqu'un qui a bâti cette franchise-là. Il y a des joueurs qui ont souffert, qui souffrent encore pour jouer pour cette franchise-là. Puis, ils n'ont jamais été oubliés, je pense. L'organisation a toujours bien traité ses joueurs actuels, mais aussi les anciens. Puis ça, bien, ils ont le respect de tout le monde à cause de ça. On est une grande famille. J'ai toujours senti que j'avais une responsabilité envers les joueurs qui sont passés avant moi. Puis je pense que la devise, c'est exactement ça qu'elle dit. C'est à notre tour maintenant de travailler pour que cette organisation-là soit jamais ordinaire. You have to love every moment when you play in Montreal because there's a lot of history in here. There's a lot of Stanley Cups that team wins. You right away know that these people that watch hockey games, they understand hockey, they live hockey all their life. And it's fun to play when you see people really involved in hockey. Le Canadien de Montréal, c'est une religion hein, dans notre province. C'est tellement gros, ça rend malheureux quand on perd. Fait que tu vis selon le Canadien l'hiver. Tu es tout le temps sur le spotlight. Tu vas avoir des périodes creuses dans une carrière ou dans une saison, tu essaies. l'effort est là, mais tu peux pas, on est des humains pareils. Voilà, il est comme ça, lui aussi. Tu sais, à un moment donné, t'en vas que ça a de l'as ici ou quoi que ce soit. Mais moi, ce que je faisais pour me motiver, vous vous rappelez Guy Lafleur. Quand Guy embarquait ça a de l'as, ça attendait les Guy. J'embarquais en arrière de lui, puis je le suivais à proche. Je me disais, c'est pour moi aussi. Puis là, ça me faisait partir. Moi, je trouve que la pression, c'est positif. Parce que c'est ça qui fait la différence entre des joueurs exceptionnels comparativement à des joueurs ordinaires. Fait que si tu joues à Montréal, tu es capable de réussir comme Maurice Richard, comme Guy Lafleur l'a fait, c'est parce qu'eux autres, ils en voulaient de la pression. Puis plus il y en avait, plus ils performaient. Some people have, you know, I guess maybe a tough time in playing in a real pressurized city like Montreal. I just thought it was awesome. Just such a great rink to play in. As a pro athlete, you can't ask for anything more than to play in front of such passionate fans, and you know, to be able to say I did that was a really good memory for me. C'est important que le noyau de tes joueurs, c'est des joueurs qui sont de caractère, que ce soit des leaders pour amener les autres personnes alentour. Puis dans une équipe, il y a un vieux dicton qui dit check your ego at the door. Laisse ton orgueil en dehors de la porte, parce que quand tu rentres, il n'y a jamais une personne plus importante que l'équipe. Tu as besoin de 20 joueurs sur la patinoire pour avoir du succès. It's the kind of telephone call that every kid in Quebec and maybe Timrå in Sweden grows up dreaming about. Les Québécois, on veut tous jouer pour le Canadien de Montréal. Moi, dans le temps, je travaillais pour Molson sur les camions durant l'été. Toutes les juniors ont travaillé sur la bière. Fait que là, on arrive à l'entrepôt, puis le patron me dit, Mario, il dit, appelle à la maison, on a une nouvelle très importante pour toi. Fait que j'appelle à la maison, c'est maman qui répond. Elle dit, mon garçon, tu viens d'être repêché par le Canadien de Montréal en première ronde. Tu t'es pas sérieuse. Fait que je me souviens, j'arrivais dans l'entrepôt, j'ai pris une caisse de grosses bières pleines. Paf! T'as des pitchés dans le mur. Paf! Ça revolait partout. Bang, bang! J'étais sur le terrain de golf à Chicoutimi lorsqu'on m'a appelé pour me dire que je venais d'être repêché par le Canadien de Montréal. J'étais avec des amis. La nouvelle a été bien accueillie. Je veux dire, j'avais venu un coup de téléphone il y a une couple d'heures avant, voir si le Canadien me repêchait, j'aurais aimé ça. C'était une question inutile dans ce temps-là parce que oui, quand moi je suis né à cette île, j'ai passé la majorité de mon temps à cette île. Alors, nous, c'était le samedi soir, c'était le Canadien de Montréal. Quand j'ai reçu le coup de téléphone, c'est sûr et certain que j'étais content. J'ai appelé mes parents, puis eux autres aussi étaient extrêmement contents parce que c'était je pense que c'est le rêve de tous les parents lorsque tu amènes tes enfants, premièrement, qui aiment faire du sport, puis qui excellent dans un sport, qui sont capables d'en faire une carrière. J'avais 19 ans et le Canadien était à Détroit. Et ils m'ont appelé pour dire tu vas jouer demain à Détroit pour le Canadien de Montréal. Alors, je savais que Gilles Tremblay, qui était blessé, mais qui revenait au jeu. Et puis, j'avais monté avec Gilles à Détroit. Et puis, ça avait été vraiment exceptionnel. Puis, c'est la seule équipe que j'ai jouée dans ma carrière. I felt very welcome from everybody in the team, even though I was the first European player. I know it was critical at the start because I took Jean Houl's job pretty much with Mario Tremblay and Pierre Mondou. So I guess there was some tensions from Mario and Pierre, but after I started to play, I think they appreciate the way I was playing and they had a good season and I had a good season. I came here as a 20-year-old, first time away from home, and those guys took care of me. They showed me a way, they made sure everything was fine. So there's been so many people involved and impacted my life and my hockey career here in Montreal, and you know, sometimes you don't find the words, so you can't thank them all, but it's really, really appreciated. Puis je me suis viré tout le temps un matin à l'hôtel. Claude Ruel nous avait rencontrés avec Scotty Bowman, Doug Riseborough et moi. Il nous avait dit, quand vous avez la chance d'être rappelé par le gros club, ne ratez pas votre chance. Doug et moi, on a répondu aux deux, à Ruel et à Bowman, on a dit « Quittez-vous pas, on ne descendra pas des mineurs ». Fait qu'on s'est organisé pour ne pas descendre, puis on a connu une bonne première saison, ça a été super. On était assez chanceux d'être des hockeyeurs pour faire partie d'une aussi grande dynastie. Et aujourd'hui, j'en suis quand même très reconnaissant. Je me rappelle le premier match que j'ai fait, moi, j'étais avec Steve Schott d'un côté puis Guy Lafleur de l'autre côté. Fait que pour un petit jeune de 19 ans, c'était extraordinaire. J'aurais eu de la difficulté à penser que j'aurais été le joueur que j'ai été si j'avais pas eu ces expériences-là qui m'ont été données là, au début de ma carrière. Quand tu joues, le monde est plus émotif, je te dirais. Ils vont parler du match de la veille, si t'as perdu, ils vont parler d'une bonne séquence, d'une mauvaise séquence. Ils sont vraiment dans le moment avec l'équipe parce que c'est des partisans. Tout le monde avait des commentaires sur la façon d'améliorer notre jeu ou nos performances. Quand tu prends ta retraite, c'est juste des bons commentaires. Les gens, on dirait, se souviennent juste des bonnes choses. Mon passage, j'ai joué 7 ans, moi, avec le Canadien de Montréal. Puis c'est juste des bons commentaires. Souvent, c'est les parents aujourd'hui qui me reconnaissent, c'est pas les enfants. Là. Fait que c'est un monsieur, là, il a joué pour le Canadien, puis là, je prends la photo avec le petit, puis c'est bien le fun. Mon chandail, je m'attendais pas qu'il soit retiré, tout ça. Mais les gens m'avaient téléphoné une couple de jours auparavant pour me dire qu'ils devaient me voir. Il y avait des articles à me faire signer, des chandails, je crois, ou quelque chose pour la fondation. Il dit, est-ce que tu seras là le matin, 8 h, je te ferai le premier. Il dit, après ça, il faut que je fasse Henri Richard, Stéphane Richard, ainsi de suite. Je dis, pas de problème, les gens, je vais être là, je vais t'attendre. Puis, je vois encore la voiture arriver. Régent débarque. Là, je vois M. Jeff Molson, il avait un sac à la main. Là, je me suis senti un peu, un peu drôle, disons qu'ils avaient un petit doute, quelque chose. Fait qu'il est rentré, M. Jeff Molson, puis c'est là qu'il m'a annoncé la nouvelle, il a sorti le chandail. C'était émotionnel un peu. Tu regardes Jean Béliveau, Maurice Richard, Henri Richard, wow! Dans 20 ans, 30 ans, je serai plus là, puis tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, ils vont venir, ils vont venir au centre Bell ou whatever ce qui arrivera, puis ils vont pouvoir regarder d'en haut, la pointe, ça ton arrière-grand-père ou ton grand-père, ça veut dire, t'es immortalisé, là, tu sais. Le moment où Pierre Boivin avec Bob Gainé viennent me voir au lac Beauport, puis ils me disent, bon, ben, on a pris une décision, puis on aimerait retirer ton chandail, qu'est-ce que t'en penses, comment tu te sens, penses-tu que le timing est bon, etc., etc. Alors, j'ai été très impressionné par ce geste-là. La signification que ça l'amenait à moi, c'était un moment fort. C'était un moment où il y a beaucoup de fierté qui accompagne là, cette journée-là. J'ai jamais joué pour avoir mon chandail retiré. Puis de voir les performances que j'ai à faire avec les Canadiens, accompagnées avec le support de mes coéquipiers, faisant en sorte que ça me permettait un jour de voir mon chandail être retiré. C'était loin dans mes pensées, puis de loin de penser que ça pouvait exister. À mes débuts, je souhaitais pratiquement plus survivre dans la Ligue nationale que de voir mon chandail retiré. Alors de voir le fait accompli, pour moi, là, était là, une journée merveilleuse. Puis c'était la façon dont le Canadien l'a fait, là, par les gradins, puis dans le public, je trouvais ça là, vraiment, vraiment super le fun.